Et bonjour à tous, ici Demon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être maître du jeu sur une session de jeu de rôle. Avec moi aujourd'hui, j'ai Elgato. Bonjour Elgato. Salut, salut! Donc Elgato, sur ma chaîne, on a pu te découvrir dans des séries de GTA Roleplay. Puisque tu jouais Edson Schlaghetto dans les séries Gunther Superstar, dans Colonel Eric Star, Nomad's Land, Monroe to the Force, Man of Law. Et sur la chaîne secondaire, on a pu te voir aussi en Edson Schlaghetto dans Page Turner et en tant que Sunny Rise dans Holiday in the Sun. Et pour ceux qui ont regardé les streams à l'époque, ça n'a pas été encore mis en vidéo, mais dans Desert Nation Lester, tu jouais également Edson Schlaghetto. Donc, grosse expérience de roleplay en jeu vidéo. Effectivement, ouais. C'est sûr que c'était une bonne expérience malgré des petits trucs qui étaient, on va dire, que je trouve moins cool que dans les jeux de rôle sur table, mais bon. Donc du coup, tu as une expérience de jeu de rôle sur table. Effectivement, ouais, j'ai joué et masterisé sur du Call of Cthulhu, sur du Vampire la Mascarade, sur du Donjons et Dragons, sur du Cops. Voilà, ça parle à quelqu'un. Ok, donc tu as une grosse expérience, peut-être plus grande que la mienne, parce que moi j'ai joué essentiellement sur Warhammer 40 000, Dark Heresy et Rogue Trader, et sur Shadowrun. Sur un jeu de zombies, je sais plus quel était le nom, et sur Donjons et Dragons, donc t'as peut-être parcouru plus de systèmes et d'univers que. En général, de toute façon, c'est pas l'expérience qui fait forcément la qualité des C'est choses sûr. dans le roleplay. Et comme deuxième joueur, on accueille également Realius. Bonjour Realius. Bonjour, je suis timide. Bonjour. Donc Realius, pareil, on t'a connu sur ma chaîne à travers des trucs de GTA Roleplay, puisque tu jouais Finn Anderson dans Gunther Superstar. Roderick Cassidy, puis Diego Schlaghetto dans Colonel Eric Star, dans 99% Jerry où tu joues Max Possring, Maximilien Possring, Oui. dans Man of Law tu joues Diego Schlaghetto qui a changé de nom qui s'appelle Corazzo, mais dans Desert Nation Lester qui est pour le moment uniquement en stream mais qui arrivera en VOD, tu incarnais d'abord Diego Corazzo puis ensuite Théodore Takoda, et Théodore Takoda qu'on va retrouver également dans Page Turner sur la chaîne secondaire, C'est vrai. et dans Holiday in the Sun tu jouais tout d'abord Fiona Darby et puis Will Steen. C'est ça. Et donc, grosse expérience aussi de roleplay en jeu vidéo. J'ai commencé sur Habbo Hotel, Ah! RPZ de la famille. Et en termes de jeu de rôle sur table alors? J'ai commencé il n'y a pas longtemps, quelques petites sessions en table directe et en ligne. Mais je ne saurais plus du tout dire ce que c'était, mais c'était un truc très simplifié, très facile d'accès pour les débutants, quoi. D'accord. Le jeu de ce soir, les règles seront une interprétation libre du jeu Warhammer 40 000 Dark Heresy. Les règles donc seront assez proches. Par contre, l'univers connaîtra beaucoup de différences. Donc, si vous êtes un amateur de l'univers Warhammer 40 000, ne crisez pas. C'est normal qu'il y ait beaucoup de grosses différences entre l'univers que vous allez voir ce soir et Warhammer 40 000, parce que je me suis permis d'enlever les trucs qui m'intéressaient pas trop dans Warhammer 40 000. L'humanité s'est répandue à travers les étoiles. Il y a eu une conquête de l'espace. Et notamment parce qu'ils ont réussi à mettre au point des moteurs qui leur permettaient de voyager plus vite que la lumière. Comment ils font ça? Et bien tout simplement, ces moteurs les transportent dans une dimension parallèle, en dehors de l'espace-temps, qui s'appelle l'exo. Une fois qu'ils sont sortis de l'espace-temps pour arriver dans l'exo, et bien ils peuvent ressortir de l'exo et revenir dans l'espace-temps à un autre endroit. Le problème, c'est que c'est un petit peu instable et difficile de naviguer, et les vaisseaux se retrouvent parfois pas là où ils voulaient aller, ou des fois ils arrivent beaucoup plus tard que ce qu'ils avaient prévu, ou des fois il y en a même qui sont arrivés avant leur départ, ils sont revenus dans le temps. Ça complique un peu tous les déplacements dans l'espace. Pour pallier à ça, l'humanité a mis au point un programme d'entraînement à base de torture, d'ingestion de produits psychotropes lourds. Un protocole auquel 99% des gens qui y sont soumis décèdent dans d'atroces souffrances, mais le 1% qui reste deviennent ce qu'on appelle des exocogs, c'est-à-dire des personnes qui ont des capacités mentales extrasensorielles qui leur permettent d'entrer un peu en communion avec l'exo et notamment de servir de navigateur pour ces vaisseaux qui rentrent dans l'exo et leur permettre d'arriver à bon port. C'est toujours pas une science exacte, mais au moins y a un guide directeur qui aide beaucoup dans cette direction. Un jour, il y a un exocog qui commence à entendre des voix dans le vide.
Et il s'avère que l'Exo n'est pas exactement vide en réalité, qu'il y a des créatures qui y vivent, des entités, qui sont très vite baptisées Exon, et qui commencent à foutre la merde, à prendre possession de personnes, à provoquer des cataclysmes, etc. Et l'humanité s'effondre plus ou moins, et on passe dans un âge sombre. Et dans cette période de trouble, il y a une lignée de seigneurs de guerre qui va prendre le pouvoir déjà sur Terre, puis se répandre et reprendre le contrôle de toutes les anciennes colonies humaines qui avaient été fondées lors de la Grande Expansion, et vont mettre en place donc l'Empire. Et donc pour lutter contre ces exons, l'Empire a mis en place la Sainte Inquisition. Nos deux protagonistes ont été recrutés tout fraîchement dans cette Inquisition. Realius, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage ? Mon personnage, c'est Aza Beken, qui est un natif du monde sauvage Iri-Ato-Na-Ato, désertique et très difficile à vivre. Il participe à une guerre entre... son village et un village voisin se retrouve après cela emporté donc avec les Marines impériaux. Oui. Il a une plutôt bonne carrière avec eux et se retrouve donc ensuite emporté par l'Inquisition. Un ancien Marines impérial donc qui a fait ses preuves pendant les guerres et que l'Inquisition donc a repéré pour ses faits d'armes. Il a passé quelques semaines dans une forteresse inquisitoriale. Une fois qu'il a fini cet entraînement, eh bien il reçoit un message. Mais avant de connaître ce message, on va demander à Elgato de présenter son personnage également. Maxipikotos, un homme de 35 ans qui est issu d'une ville haute dans un monde ruche, de la noblesse. Il a souvent cherché du coup à fuir la réalité de son monde et à s'isoler pour penser à sa place dans l'univers. C'est un peu un rêveur. Naïvement, il intègre les forces de police, pensant rendre service à la population. Les dangers s'accumulant, du coup, dans le cadre de son travail, il s'est rendu compte qu'il y avait souvent une solution plus rapide et plus efficace permettant d'éviter le danger. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'initiative. D'accord. Et des fois, de choses assez surprenante, on va dire. Ses états de service au sein de la police de son monde natal a intrigué l'Inquisition, ses méthodes parfois expéditives également. Visiblement, il est capable de sacrifier certaines valeurs morales au profit de la bonne exécution de ses missions et de la sauvegarde de ses camarades. Et ça intéresse l'Inquisition qui décide de le recruter. Et donc lui aussi se voit offrir un voyage vers une forteresse inquisitoriale et quelques semaines d'entraînement, à l'issue desquelles il reçoit un message. Ce message, le voici. « Bonjour, chère nouvelle recrue. Je me prénomme Van Richmond et je suis un inquisiteur de haut rang. Et j'ai été sélectionné pour prendre la direction de votre cellule inquisitoriale. À partir de maintenant, c'est moi qui vais fixer vos objectifs. » et qui va vous envoyer sur des opérations jusqu'à ce que vous ayez fait suffisamment vos preuves pour devenir vous-même des inquisiteurs de haut rang. Et ça tombe bien parce que j'ai justement besoin de vous sur une opération. Vous serez une cellule de deux personnes, vous n'avez encore jamais rencontré votre camarade, mais ça va pas tarder, puisque je vais vous envoyer sur le monde de Labiosa Prime, un monde sauvage, sur lequel il y a une population de primitifs, avec laquelle nous ne sommes pas entrés en contact. De temps en temps, nous enlevons certains de leur personnel pour les envoyer combattre au sein de la marine. Sur ce monde primitif, eh bien, il y a une unité archéologique dirigée par Lordus Adeptus, donc les scientifiques, qui a décidé de s'installer parce qu'ils avaient trouvé des traces de structures qui pourraient indiquer une forme de vie consciente sur cette planète avant l'installation humaine. Vous savez que nous n'avons encore jamais rencontré de vie extraterrestre consciente, à l'exception évidemment de ce qui vient de l'Exon, mais avec qui on peut pas vraiment discuter parce que c'est des démons infernaux. Mais on n'a jamais trouvé de forme de vie consciente dans notre univers. On a trouvé des formes de vie animales, mais qui ne pouvaient pas discuter avec nous. Et bien là, il se trouve qu'il y a des vestiges de ce qui semble être une civilisation intelligente qui a vécu il y a plusieurs millions d'années. Donc Lordus Adeptus a installé un site de fouille. Il y a un détachement de Marines, évidemment, qui a été déployé sur place pour assurer la sécurité du site. Et il y a 3 semaines, le détachement de Marines a émis un signal en direction de son état-major pour demander à être rapatrié pour ravitaillement. Ce
qui a tout de suite attiré la suspicion de la marine, parce que en réalité, s'ils voulaient du ravitaillement, ils avaient juste à demander un drop de ravitaillement, et surtout, lorsqu'ils avaient été déployés sur place, on leur avait laissé suffisamment de rations et de nourriture et d'eau pour durer bien plus longtemps, pour durer des années, et ça fait seulement 2 mois qu'ils sont sur place. Donc la marine a refusé évidemment cet ordre et a déployé à la place un officier politique pour aller s'enquérir de la situation sur zone et comprendre ce que c'était que ce bordel. Et au bout de quelques jours, la nouvelle est revenue. Selon l'officier politique, le site de fouille était beaucoup trop dangereux, les adeptes étaient complètement possédés. Il semblait qu'il y ait une folie qui s'empare d'eux. Et notamment, l'officier politique raconte qu'il a vu de ses propres yeux un sergent des Marines se faire attaquer par 3 scientifiques qui poussaient des grognements et qui lui ont arraché son armure à main nue, puis sa peau, puis ses organes internes. Et que le sergent est désormais décédé. La marine a donc donné l'ordre au détachement sur place de tout brûler, d'exécuter tous les adeptes et de se replier. Leur but était évidemment de sauvegarder leurs hommes de cette tragédie. Sauf que le chef des adeptes sur place, un certain Melanchior, a aussitôt contacté ses supérieurs à Lordus Adeptus en disant « Les marines sont fous, ils essayent de nous massacrer et ils sont en train de compromettre ce site qui est peut-être le site le plus important qui ait jamais été découvert par des fouilles archéologiques de Lordus. Donc il faut les arrêter, on est en train de se faire massacrer. » Ce à quoi Lordus Adeptus a donné l'autorisation à Melanchior d'activer les systèmes de défense automatisés du site. Et donc ça s'est transformé en affrontement fratricide. En tout cas, c'est ce qu'on pense, parce qu'on ne sait pas exactement. On n'a pas de rapport exact de ce qui s'est passé sur zone. Toujours est-il que la marine est montée dans les tons, Lordus Adeptus est monté dans les tons, et au final, l'empereur a fini par statuer et a décidé que c'était à nous, l'Inquisition, de trancher ce différend. Depuis une semaine maintenant, la Biosa Prime est en état de quarantaine. Personne n'entre, personne ne sort. Vous serez les premiers à rentrer sur site. Votre but, c'est de rentrer dans ce site de fouille et de comprendre ce qui se passe. Et si jamais il se trouve qu'il y a une influence exon qui émane de ce lieu, d'éliminer l'influence et toutes les personnes qui auraient pu être subjuguées. Évidemment, vous êtes désormais des inquisiteurs, donc vous avez toute latitude dans vos actions. Cependant, c'est vrai que ça serait bien que le personnel impérial soit pas liquidé gratuitement et que si jamais vous avez besoin de tuer, de causer la mort de certains de ce personnel, ce soit bien justifié. Donc vous avez tous les deux reçu ce message et à partir de ce moment-là, vous avez été transporté en navette inquisitoriale vers la Biosa Prime. Et nous commençons notre histoire alors que vos vaisseaux pénètrent donc le Bulkbuster, qui est un croiseur de la marine impériale qui est en orbite autour de la Biosa Prime. Donc c'est un énorme appareil de plusieurs kilomètres de long, un appareil de guerre avec des canons orbitaux et un lanceur de missiles antiplanétaires. Et vos vaisseaux, qui font une dizaine de mètres, qui ont un équipage de 5 personnes, vont se placer dans le hangar du Bulkbuster. Un hangar qui est suffisamment large pour accueillir vos deux vaisseaux et ces deux vaisseaux n'occupent qu'un dixième du hangar. Vous avez vos uniformes. Alors moi j'ai celui de police, oui. Ouais. Uniforme bleu marine, des tenues de bonne qualité. Hein, on se foutait pas de votre gueule quand même sur ce monde ruche. Grâce à la corruption au sein de la police, vous aviez des vêtements de bonne qualité. En revanche, Asa Bacon, toi tu portes toujours ton uniforme du corps de Marines, qui est un uniforme de camouflage standard, et qui est de qualité standard également, c'est-à-dire que c'est pas avec ça que tu vas impressionner, quoi. Et donc quand vous descendez, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est également en uniforme de Marines, et qui se présente comme étant l'enseigne Valensky. Je suis enseigne Valensky du Bulkbuster, il est au garde à vous. Bienvenue à bord du Bulkbuster, de la part de mon capitaine. Je vous déclare que nous sommes très honorés de servir d'unité de soutien pour votre opération sur la Biosa Prime. Et j'espère que vous saurez faire écho de notre honneur auprès de votre Inquisition. Dites-leur que nous sommes vraiment ravis d'avoir été choisis. Merci à toi, mon brave ami. Oui. Je le salue militairement et je dis que je suis également très content de travailler avec vous. Ok, fais un G de sociabilité. Alors, je vais t'expliquer du coup le système des G.
Le système donc Dark Heresy que nous allons utiliser est basé sur des D10 et des D100, mais surtout des D100. Il faut que tu fasses moins un score inférieur à ta caractéristique en question. Par exemple, là, je t'ai demandé sociabilité. Tu as 29 en sociabilité, donc il faut que tu fasses moins de 29. Cependant, étant donné que tu es un Marines toi-même et que tu as eu des propos qui allaient dans son sens, je t'octroie un bonus de 20. Donc il faut que tu fasses moins de 49 pour réussir ce jet. Ah. Et Zebardin. Ok. Donc l'enseigne Valensky semble lever un sourcil un peu de mépris. Tu vois de par sa carrure et son visage et tout ça, qu'il a l'air de venir d'un monde impérial. Ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de noble. Peut-être qu'il n'est pas vraiment très enclin à être pote avec des ressortissants des mondes sauvages. Peut-être qu'il y a un certain mépris de classe, en fait. Je vous invite à venir dans la salle de réunion. Le capitaine va bientôt vous recevoir. Pour le moment, il est pris par une manœuvre pour placer le Bulkbuster en orbite géosynchrone au-dessus du site de fouille pour pouvoir vous servir d'appui à tout instant. Il commence à prendre la direction d'une des portes du hangar, pendant que derrière vous voyez quelques secondes classes, quelques matelots rentrer à l'intérieur de vos vaisseaux pour récupérer vos caisses d'équipement. Bah, on va le suivre. Donc il passe une porte, il tourne, vous arrivez sur une coursive, tout c'est très très militaire, hein, donc les murs ils sont spartiates, hein, c'est gris tout du long, du métal nu. Et il tourne dans une salle, et là, cette salle, elle a été un peu aménagée. Il y a trois canapés qui forment un U, avec une table au milieu, sur laquelle il y a quelques mets, hein, des trucs plutôt d'apéritif, des petits canapés, des trucs comme ça. À Sabacon, de par ton expérience au sein des Marines, tu notes que ça fait pas, c'est pas des rations de combat, déjà. C'est pas le mess du personnel, enfin du rang, et ça a même pas l'air de venir du mess des officiers. Tu penses que là, on vous sert de la nourriture qui vient directement des réserves du capitaine. Donc on essaye de vous impressionner. Et puis il y a une petite enceinte dans un angle qui diffuse une petite musique d'ambiance, histoire de un peu décontracte, chill et tout ça. Et donc l'ancienne Valensky vous dit « Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, sustentez-vous, et puis le capitaine sera bientôt avec vous. » Il te jette un dernier regard en coin et puis il se barre. À Sabacon, c'est une espèce de grande armoire à glace de 2 mètres et de 100 kilos, tout en muscles. Une cicatrice sous l'œil gauche. Des cheveux noirs coiffés en arrière. Tu vois qu'ils sont pas très entretenus, qu'ils sont un peu abîmés. Il y a quelques traces de gris dedans également. Et il a le teint légèrement foncé. Tu vois qu'il est bronzé, quoi, tu vois. Et notamment avec quelques traces de dégâts du soleil. Et visiblement, il a un peu cramé quand il était peut-être plus jeune. Une trentaine d'années, donc dans la force de l'âge. Tu l'identifies évidemment immédiatement comme un ressortissant d'un monde sauvage. C'est beaucoup des gens qui meurent jeunes parce que ils sont envoyés au casse-pipe dans la marine. Donc lui, s'il a vécu jusqu'à ce moment-là, c'est qu'il est quand même... Il a un certain talent. Voilà. Il a l'air doué. Et donc il porte un uniforme des Marines, donc visiblement un ancien Marines. Ou alors il l'a volé à quelqu'un, on ne sait pas. Mais en tout cas... Et donc, de l'autre côté, Maxi Picotos, fin et élancé, 1m75 et 65 kg, le teint légèrement hâlé également, alors que, de par sa taille et tout ça, peut-être que tu arrives à l'identifier comme un ressortissant des mondes ruches. Donc les mondes ruches, pour que tout le monde voit bien, c'est des mondes qui ont été très industrialisés, qui sont extrêmement pollués, ce qui fait que c'est impossible presque de vivre en dehors des villes. Et du coup, les villes sont énormes et s'étendent autant en largeur qu'en hauteur, sur des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et plus on descend dans les niveaux, plus on tombe dans les basses couches de la société, avec des gens qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, qui vivent dans des environnements toxiques et tout. Sauf que comme Maxi Pico vous l'a dit, lui vient un peu de la noblesse. Donc il vient des classes hautes, et c'est pour ça que lui a vu la lumière du soleil et qu'il a le teint un peu hâlé, donc qu'il identifie aussitôt comme quelqu'un qui vient pas du bas de la ruche. Je le regarde de bas en haut et j'en fais de même. Et je suis un peu étonné de sa taille. Moi aussi. En tant qu'homme sociable, je décide de faire un pas en avant et... de tendre la main vers l'inconnu. Bah, moi, je regarde sa main et puis bah, je lui tends la main. Et je lui dis
Bonjour, vous avez l'air très jeune, vous êtes petit. Qu'on soit bien clair, quand tu lui tends la main, tu lui serres la sienne ou juste tu l'attends devant lui parce que t'as pas compris de l'autre côté, voilà, c'est ça. Ah non, je lui serre la main. Ah d'accord. Ah. Non, ça aurait été très rigolo que t'aies pas compris la convention sociale. C'est ça, ça m'aurait fait rire en vrai. Je lui dis que non, je ne suis pas si jeune, j'ai plutôt de l'expérience dans ce que je faisais et que je suis content de découvrir mon partenaire et de savoir que c'est quelqu'un qui est bien bâti et qui pourra du coup peut-être dans des circonstances dangereuse, assurer ma protection. Je ne suis pas votre garde du corps, mon cher. J'espère que vous savez quand même vous défendre. Si peu, si peu. J'ai des compétences qui vous surprendront. Vous verrez. J'espère bien, j'espère bien. Ok. Bon, et si on se mangeait un petit truc. Ah bah, allez-y, moi, je vais m'abstenir. Restez là, je vais essayer d'observer. Je jette un œil à la pièce autour. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient me sauter aux yeux en dehors de ce qu'on a vu en entrant. Alors fais-moi un jet de perception du coup. Ouais. Je regarde, ouais. Perception, t'es à 29. C'est pas génial. 34. Tu ne remarques rien de particulier, en même temps tu n'es pas très habitué au... T'as jamais vraiment été dans des vaisseaux de la marine impériale, donc tu sais pas ce qui est à sa place et ce qui ne l'est pas. Tu te dis, peut-être les canapés de base c'est pas là, tu vois. Peut-être qu'on essaye vraiment de faire un effort pour bien vous recevoir, parce qu'ils sont en soie fine, ils ont l'air assez rembourrés. À ça, toi, du coup, tu vas manger, toi, pendant ce temps-là? Ouais, je vais manger, je me sers un petit four. Et tu t'assieds dans un canapé ou tu restes debout? Je reste debout, assez droit quand même, par habitude. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais quand vous avez passé la porte, t'as été obligé de te baisser parce que les vaisseaux impériaux, en fait, ont été faits avec l'idée des dimensions des gens qui viennent des mondes impériaux. Et ce qui fait que tous ceux qui viennent des mondes sauvages et qui sont un peu plus grands, ils sont toujours un peu en galère, et notamment quand t'as commencé ta carrière de Marines, ça t'est arrivé souvent de te taper la tête dans les portes. Je vais me diriger, moi, vers un fauteuil et me poser. Et quand tu t'assieds, effectivement, tu sens que c'est une assise qui est bien confortable, avec... c'est rembourré de manière assez riche et experte, donc ça a l'air d'être vraiment du bon canapé, quoi. Je m'exclame en direction de mon camarade, je lui dis, mais... Essayez-vous, vous verrez, c'est tout confort, c'est vraiment bien. Du coup, moi, je le regarde et je me mets un petit peu à rire. Et je lui dis, mais vous avez l'air encore plus petit. Et je m'assois à côté de lui. Et je lui dis, mais vous savez, c'est pas grave, j'en ai connu des comme vous. Et donc, quand tu t'assieds à côté de lui, même si le canapé est de bonne facture, tu transmets quand même une partie de ton poids, et tu le maxipico, tu te sens sauter un petit peu. Un nouvel arrivant arrive. De son visage, avec des traits très nobles, vous sentez que c'est quelqu'un qui vient d'un monde impérial. Par contre, il est presque de la taille de ACA. Il fait 1m95. Il a le regard dur et le maintien rigide, qui semble indiquer une certaine noblesse. Et en même temps, il a des cicatrices sur la joue, sur le cou, et vous ne voyez pas le reste de son corps qui est dans un uniforme de la marine, avec des galons sur les épaules et à la poitrine, et des médailles à la poitrine. Mais vous imaginez qu'il y a peut-être d'autres blessures là-dessous. Ça a l'air d'être quelqu'un qui vient de bonne famille, mais qui n'a pas hésité à se mettre en danger pour arriver à son poste, et il se présente comme étant le capitaine Bayard. Suivant l'étiquette, je me lève et puis je me tiens droit devant lui. Et bah, tout ça fait, moi je me lève et je le salue. Et il te rend avec honneur. Il te rend ton salut et tu vois que dans la façon dont il te salue, il n'y a pas de mépris pour toi. Tu vois, genre, tu sens que t'es un Marines et c'est tout ce qui compte. Tu vois. Pour le saluer, moi j'incline légèrement la tête vers le bas. De révérence, tu vois, mais léger. Il aime se rendre petit celui-là. Fais-moi un jet de sociabilité. Ah, alors, de 95 à 99, on parle d'échec critique. Ouais, totalement. Et à 100, c'est échec épique. Donc au moment où tu commences à faire ta révérence, tu entends le capitaine faire... Peut-être qu'il venait d'une bonne famille, mais qu'il a un peu de mépris pour ce genre de monde, de décorum et tout ça. Et que peut-être que t'as fait un peu un impair en décidant de te livrer à ça. Visiblement, lui, le respect, il l'a mis dans le martial. Et justement, il a mis derrière lui toute la haute société. Quoi. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas hésité à se mettre en danger et à recevoir ses cicatrices. Alors que, de par son rang,
qui est visible dans, à travers son visage et son maintien, il aurait certainement pu rester à un poste de commandement loin de l'action pendant toute sa carrière. Et toi, Asa, tu vas me faire un jet de sociabilité avec un bonus de 10. D'accord. Parce que tu faisais partie de la marine. Ouf, alors les critiques commencent à 5, donc c'est pas un critique, mais c'est une belle réussite. Tu te souviens que parmi les Marines, il y a une phrase un peu l'équivalent de Semper Fi chez les Marine Corps des États-Unis, une salutation informelle entre Marines et qui fait vraiment appel à l'esprit de camaraderie. Le pied de l'empereur est prêt à botter des culs. Eh ben, le pied de l'empereur est prêt à botter des culs. Et donc là, tu vois le capitaine Bayard qui esquisse un sourire, qui l'essaye d'effacer un peu, parce que c'est vrai que ce salut, bon, c'est vraiment un truc de baroudeur, quoi. C'est pas vraiment bien vu dans le décorum et tout, mais ça lui rappelle ses jeunes années et il te fait un clin d'œil. Écoutez, messieurs, bienvenue à bord du Bulkbuster. Je suis le capitaine Bayard. Je vous en prie, asseyez-vous, mangez. Nous allons discuter des détails de l'opération. Nous sommes désormais en orbite géosynchrone au-dessus du site de fouille à la surface de la Biosa Prime. Nous allons vous y envoyer grâce à nos Hornets. Du fait de la quarantaine, nous n'avons pas le droit de rester sur place. On vous dépose et ensuite on se barre et on vous laisse là. Est-ce que l'un de vous sait piloter un Hornet, donc un vaisseau spatial ? Non. Je crois bien que ce n'est pas dans ma formation. Ok, bah on vous mettra un équipage qui vous fera vous atterrir, mais qui repartira. Les Hornets seront démilitarisés, on n'a pas le droit d'introduire de matériel militaire sur zone, parce que j'imagine qu'on vous a fait un briefing. On n'est pas sûr s'il n'y a pas des histoires de contrôle mental et d'emprise mentale, donc on n'a pas envie de mettre à disposition d'éventuels subjugués du matériel trop destructeur. Et ça sera malheureusement le facteur limitant de beaucoup de nos opérations de soutien pour votre opération. C'est-à-dire que le Bulkbuster sera capable de vous dropper du ravitaillement par le biais de pods qu'on larguera et qui s'écraseront sur site. On pourra vous envoyer de la nourriture, on pourra vous envoyer quelques munitions, éventuellement de l'armement, mais pas de l'armement trop lourd. Vous, à l'Inquisition, vous avez toute prérogative, mais nous, à la Marine, on a des comptes à rendre. Et donc, à chaque fois que vous me demanderez du matériel ou des ravitaillements et tout, ensuite il faudra me le rendre à la fin de la mission. Et si vous pouvez pas me le rendre, il faudra que vous m'expliquiez comment il a été, pourquoi il a été utilisé, parce que moi il faudra que je fasse un rapport derrière. Utilisez ça avec parcimonie. Si vraiment nécessaire, procédez à une frappe orbitale. Là c'est encore pire parce que vous imaginez, hein, c'est des munitions qui coûtent extrêmement cher. Si jamais on l'utilise, il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison. Et là, moi je demanderai à ce que vous m'apportiez des éléments tangibles. Je procéderai pas à une frappe orbitale juste parce que vous me dites tapez dedans, il faut que vous m'expliquiez pourquoi c'est essentiel. D'accord ? C'est bien compris. Et donc pour communiquer, je vous donne ceci, et donc il passe sa main dans son dos, et puis il en ressort à un espèce de rectangle de couleur kaki, avec une tige de métal, donc une antenne rétractable. Il la pose sur la table, il dit « C'est une radio orbitale, elle pourra entrer en communication avec nous, on pourra discuter, à condition que l'antenne soit en ligne de vue directe du vaisseau. Donc à l'extérieur, ça marchera. Par contre, quand vous serez en intérieur, il faudra utiliser ceci. » Et donc, il tourne le rectangle et il montre qu'il y a une prise qui en sort. Il dit, vous utilisez cette prise, vous la branchez dans le système de communication interne de la base. Et là, du coup, vous serez connecté à l'antenne parabolique de la base et on pourra discuter. Il devrait y avoir des prises comme ça un peu partout dans les baraquements du site. Et ensuite, sur les sites de fouilles en tant que tels, vraiment, ils ont dû en installer quelques-uns histoire de pouvoir avoir un contact. Donc on devrait pouvoir entrer en contact quand même quand vous êtes à l'intérieur. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, à moins que mon collègue en ait. Est-ce qu'on a une idée quelconque de ce qu'on risque de rencontrer ? Vous avez parlé de contrôle mental. On est arrivé dans ce système parce que l'officier politique qui avait été déployé sur zone avait fait un compte-rendu parlant de trois adeptes qui se sont jetés sur un sergent et qui l'ont déchiqueté à main nue. C'est pas quelque chose que les adeptes font de manière générale, surtout sur des membres du personnel de l'Empire. Donc du coup, nous, on en a conclu rapidement au fait qu'il peut y avoir une possibilité de subjugation mentale, effectivement. Cependant, nous n'en savons pas plus parce que notre vaisseau est arrivé dans le système et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé que c'était l'Inquisition qui gérait la situation, donc nous, on est resté en orbite. Donc tout ce qu'on sait de ce qui se passe en bas, c'est ses premiers rapports, la demande du capitaine sur place d'être évacué,
puis le rapport de l'officier politique qui demande à ce que tout soit exterminé parce qu'il y a des fous. Et ensuite, ce qu'on a pu observer depuis, depuis l'orbite, et ce qu'on a observé depuis l'orbite, c'est pas grand-chose. On a vu des marines sortir, fumer une clope, déplacer des caisses, boire. Enfin, de l'extérieur, on dirait qu'il se passe rien, que tout a l'air normal. Autre question ? Vous avez besoin de matériel, non ? Quelque chose qui nous permettrait peut-être d'enregistrer des messages ou des entrées, histoire de pouvoir avoir un rapport complet. Vous voulez un dictaphone ? Par exemple ? Ça peut se trouver, il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, il faudra nous le ramener à la fin. Le dictaphone sera présent dans le Hornet quand vous descendrez. Eh bien, je vous laisse profiter de ce salon tant que vous le voulez, puis quand vous en aurez, quand vous serez prêt, dirigez-vous vers le hangar. L'enseigne Valensky sera de toute façon à disposition pour vous assister, et il vous conduira à votre Hornet pour descendre sur la Biosa Prime. Le capitaine Bayard fait de nouveau un salut, et te redit à CA, le pied de l'empereur est prêt à botter des culs, et il s'en va. Pourquoi vous êtes si petit ? Vraiment, je suis étonné, vous êtes... Vous n'avez pas fini de grandir, vous avez une maladie. Parce que, vous savez, j'en connais dans mon monde qui étaient blessés et qui sont arrêtés de grandir, quoi. Quelquefois, ça arrive. Elgato, tu vas me faire un jet de force mentale. Attends. Hop, c'est parti. 19 pour 22. Donc, Elgato, les remarques répétées de ton camarade sur ta taille commence à t'atteindre un peu et tu commences à développer une forme de complexe. 1m75, donc c'est pas non plus c'est pas non plus nain, mais face à cette armoire à glace qui arrête pas de te répéter que t'es petit, chaque fois que ton camarade fera une remarque sur ta taille, ton jet de dé suivant sera affecté d'un malus de moins 5. Très bien. Et donc je prends quand même la peine de lui répondre sur le ton un peu de l'énervement, hein. Je suis affecté. Et écoutez, grande saucisse, quand vous aurez besoin de quelqu'un pour courir dans les coursives, vous aurez bien besoin de moi et vous vous en souviendrez. Ah, t'as du cran, j'aime bien. Et je lui mets la main un peu sur l'épaule et je lui dis... Hop, il m'enfonce dans le sol, salaud. Je m'inquiétais juste, j'ai rarement vu de gens petits, excusez-moi. Sur ma planète, c'est tout à fait normal. Les différences culturelles, hein. On en revient toujours là. Vous ressortez de ce premier échange entre vous un petit peu dépité de chacun du partenaire avec qui vous êtes. Maxi Pico, comme on se dit, putain, mais c'est un fils de pute de parler de ma taille tout le temps comme ça. Et à ça, beaucoup porté sur donc la force physique et tout ça, se dit qu'est-ce que c'est que ce gringalet que je vais devoir me trimballer et protéger, quoi. Est-ce que vous allez voir l'enseigne Valensky pour partir ? Eh ben, je mets un petit four dans ma bouche juste avant d'y aller. Vous allez manger tranquillement, mais c'est assez nutritif, donc vous n'aurez pas besoin de manger du reste de la journée pour le moment. Maxi Pico commence à prendre la direction de la sortie. J'imagine, Assa, est-ce que tu le suis ? Oh ben, je le suis. En passant la porte, je lui fais attention à la porte. Vous retournez dans le hangar, et donc l'enseigne Valensky est là. Il vous salue de nouveau, et vous fait... vous êtes prêt à débarquer ? Eh ben, je le salue et je lui dis, bah ouais, c'est parti. Hein. Il tend la main vers une ligne de 5 appareils. Il fait le vôtre, c'est le troisième. Et il commence à partir dans cette direction. Donc... Bah, moi, je me rends vers le deuxième parce que bah, j'ai pas très bien compris. Valensky fait. Monsieur l'Inquisiteur, s'il vous plaît, c'est le troisième. Oui. Ah, oui. 1, 2. Oui, troisième. Il reste courtois à ton égard, mais que vraiment, il a du mal à te supporter, lui. Hein. Il a vraiment un certain mépris pour toi, quoi. Et donc, les Hornets, donc, ce sont des appareils qui peuvent ressembler à des hélicoptères modernes. C'est-à-dire qu'il y a un cockpit qui est incliné d'un angle de 25 degrés vers le bas, à l'avant de l'appareil. À travers la verrière, vous voyez le pilote et le copilote qui sont en train de faire certainement les check-up de prévol. Ils sont assis l'un derrière l'autre dans des sièges avec énormément de boutons autour d'eux, etc. Derrière, il y a une caisse qui est vraiment juste un cube arrondi sur les angles, 10 mètres de long et 5 mètres de large, 2 mètres 30 de haut. Donc toi, tu vas toucher le sol avec ta tête quand tu vas être dedans. Qui est ouvert des deux côtés avec des portes coulissantes. Et donc dans l'habitacle, vous voyez une dizaine de sièges, vos caisses d'équipement que vous avez apportées qui sont fixées au sol par des sangles. Et la caisse est posée à même le sol.
Et toi, de ton expérience à ça, parce que tu as déjà voyagé dans des Hornets, lors de, notamment d'assauts aéroportés, tu sais qu'il n'y a pas de patins ou de trains d'atterrissage, que c'est des répulseurs en fait qui servent de train d'atterrissage, et que les pilotes de la marine, en général, une fois que les répulseurs ont stoppé la chute, ils désactivent les répulseurs, ce qui fait que la caisse chute de 5 à 6 cm dans le sol, que ça fait un énorme BAM qui a deux effets. Le premier, c'est que ceux qui sont à l'intérieur, donc vous, en général, quand vous débarquiez, vous êtes tout de suite dans le stress de l'action, ça vous fait un coup au cœur pour vous déclencher de l'adrénaline. Et en même temps, l'impact, ça fait un bruit énorme qui peut déclencher la terreur à travers tous les personnels ennemis, quoi. De cette cabine, sur les deux côtés à l'arrière, il y a deux propulseurs qui sont montés sur des charnières qui peuvent se déplacer à 360 degrés. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer dans l'espace. Et du sommet dépassent deux énormes cercles, en fait, de 5 cm d'épaisseur en métal. Et là, ils sont pleins, mais de ton expérience à ça, tu sais que une fois que vous serez dans l'atmosphère, ça va s'ouvrir en haut et au-dessus en mode pupille, et qu'à l'intérieur, il y a deux hélices, deux turbines, qui vont vous permettre de vous déplacer silencieusement et avec une grande manœuvrabilité dans l'atmosphère. Je suis le premier à m'asseoir, donc je prends une place un peu au pif. Ouais. Pareil, je me pose. Il y a l'intercom qui s'allume et le pilote qui vous annonce « On a le feu vert pour débarquement dans 10 minutes. Conseil de vous sangler et de fermer les portes. » Pointe du doigt les sangles à notre camarade, quoi. Et pour la porte, on fait comment ? Alors, sur la porte, sur les portes latérales, vous voyez qu'il y a une poignée qui permet de la tirer et de la faire glisser en plus. Okay, bon, voilà. On fait glisser comme sur un Renault Kangoo, c'est parfait. C'est fait pour des militaires, hein, c'est pas fait pour des ingénieurs. Bon, bah du coup, on verrouille et on clipse le... Voilà, donc vous fermez les deux portes, et quand vous fermez les deux portes, vous entendez un deuxième clic métallique. Ça, c'est les protections de joints qui se reclipsent dessus à l'extérieur pour être sûr qu'une fois dans l'espace, il n'y aura pas de dépressurisation et que vous n'allez pas tous mourir direct. Puis le pilote vous annonce « Ok, on est parti !» Et vous entendez le sifflement des répulseurs, et puis vous sentez que vous bougez un peu. Et puis vous entendez plus rien, et puis vous sentez plus que ça bouge. Il n'y a pas de port, de fenêtre pour voir à l'extérieur, mais vous vous doutez que vous êtes sorti du hangar et que vous êtes désormais dans le vide spatial. Et donc là, le pilote vous annonce « Ok, on est sorti du Bulk Buster, on pénètre dans l'atmosphère de la Biosa Prime dans 3 minutes, donc si vous comptez vous changer, c'est le moment. » Et donc, effectivement, vous avez vos caisses de matériel. Alors, est-ce que vous décidez d'enfiler vos armures maintenant ou est-ce que vous débarquez en uniforme et nique les armures ? Ah, moi, je mets tout de suite mon armure. Ok. Donc, Assas se déclipse. Même s'il vient d'un monde sauvage, il a passé quand même un certain temps au sein de la marine. Dès que tu te déclipses, tu commences à t'élever parce que vous êtes en gravité zéro. Mais tu passes savamment un pied dans un des anneaux fixés au sol, histoire de te stabiliser. Tu serais pas capable de te battre très efficacement ou de courir, ou de te déplacer rapidement dans cette situation. Mais t'es capable de marcher, enfin de te déplacer et puis de te stabiliser. Tu ouvres la caisse de ton armure. Tu commences par attraper le plastron, quoi, que tu enfiles par-dessus ta tête et que tu sangles. Puis tu saisis un gantelet que tu vas enfiler sur ton avant-bras, sangler, rabattre le clapet articulé sur ton biceps, le sangler, pareil de l'autre côté. Tu chopes une jambière, tu la fous sur ta cuisse, tu sangles, tu rabats le clapet sur ton tibia, tu sangles. Pareil de l'autre côté, tu prends la coque protectrice au bas de ton gilet, tu la fous sur ton entrejambe et celle de derrière par-dessus ton fessier, tu sangles ça. Le bon boule. Voilà, comme ça tu es protégé. Et enfin, tu prends ton casque, qui ressemble à un casque actuel de militaire, c'est-à-dire qu'il couvre de la ligne des cheveux jusqu'à la nuque. Et il laisse le visage apparent, et il se sangle en dessous du menton. Et il y a une visière réflexive noire que tu peux faire glisser pour couvrir ton visage. Est-ce que tu couvres ton visage ou est-ce que... Ouais, je couvre mon visage. Ok, donc t'es vraiment en mode full armor. Est-ce que tu comptes également récupérer ton armement et t'équiper ? Je le mets proche de moi. Ok, donc t'as la caisse d'armement, elle est sanglée au sol pour pas qu'elle se balade partout, mais au moment du débarquement, tu pourras la sortir.
Voilà, exact. Donc c'est une longue caisse de 1m50 de long en métal. Heureusement que t'es baraque, comme ça tu pourras la déplacer. Et toi, Maxi Pico, qu'est-ce que tu fais? Je le regarde faire. C'est joli à regarder. D'accord. Oh merde, il me mate le boule. Et donc maintenant, tu as face à toi presque un robot, quoi, en tenue camouflage avec une visière noire sur le visage. Et du coup, je peux en conclure qu'il a peut-être pas volé son uniforme. Ouais, visible. Ou alors il a tout volé, quoi. Oui, il a été balèze, il a arraché un marine son armure. Et tu remarqueras sur le gilet des traces d'utilisation. Hein. Il y a des parties qui sont un peu lacérées avec un peu de tissu qui pend. Il y a un impact de balle sur l'un des brassards. Visiblement, il a vécu le combat. Par contre, c'est propre. Il a fait le nettoyage après coup. Il entretient, ouais. Voilà, il n'y a pas de sang. C'est quelqu'un de sérieux, quoi. Il ne faut pas déconner. Bah du coup, moi, je vais attendre d'être sur la terre ferme pour me changer. Okay, j'ai donc... un peu peur de ces trucs de gravité. Je le regarde faire. C'est pour ça que je le regardais faire. Mais... C'est vrai que toi, t'as pas été... le sol s'il touche le plafond. C'est vrai que toi, t'as pas été... Enfin, t'as jamais beaucoup voyagé à l'extérieur. Bon, bah du coup, t'auras deux caisses de métal à déplacer. Une qui fera 1m50 tout en métal et une qui fera 1m sur 1m. Donc ça risque d'être compliqué au moment du débarquement, mais bon, tu te démerderas. Ouais. C'est ça. Donc le pilote vous annonce, ok, dernier appel, sanglez-vous, on va rentrer dans l'atmosphère. Bah du coup, je me ressangle. Hein. Fais-moi un jet de force mentale. Donc descend toujours, ouais. Ouais, c'est ça, tout est en descend, ouais, de toute façon. 80 pour 22, ok. Donc là, alors que tu es sanglé dans un Hornet avec ton armure de Marines et en train de descendre vers une planète, t'as plein de flashbacks qui te reviennent de tes opérations avec la Marine. Et t'as un petit sentiment de nostalgie qui t'envahit. Tu te dis, ah, est-ce que c'était pas le bon temps, l'insouciance, la bagarre, tout ça. Ah, le Vietnam. Oui, c'est pas un traumatisme, hein, c'est vraiment plus... Oui. Ça te manque.